Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de la restauration de la 4L. Aujourd'hui, on s'attaque à un peu tout ce qui est carrosserie. On finit de démonter la carrosserie. Allez, je vous laisse avec ça, à tout de suite. Donc aujourd'hui, on a un programme chargé, les petits gars. On va enlever toutes les portières, le coffre. On va enlever les deux petits phares qui se situent ici. Ops, vérifier parce qu'il y a un peu de rouille ici. Je sais plus de quel côté, c'est soit celui-ci, soit celui-ci. J'avais vu qu'il y avait de la rouille en l'achetant. J'espère rien de grave. On va aussi enlever ceci, le pare-choc arrière. On va enlever les deux petits sièges et on va s'attaquer aussi au tableau de bord. Mais ça, on le fera à la fin quand tout sera défait. Et on va aussi donner un tout gros coup de nettoyage pour repartir sur du propre. J'aimerais bien aussi, mais ça, on verra, ce sera juste avant le tableau de bord si on a le temps. Enlever le pot d'échappement pour regarder et déboulonner ceci. Donc les gars, maintenant on a avancé, on a enlevé ces deux putains de sièges, ils nous ont pris une heure. Maintenant on va s'attaquer, on a enlevé tout ce qui est les portées de ça, le coffre, ça nous a pris aussi un peu de temps. Et on va aussi enlever les petites ailes arrière. Donc vous avez, pour défaire une aile arrière, vous avez normalement deux rivets, un qui se situe là et un qui se situe là. Normalement ils sont plus petits que celui-là, hein, il faut pas s'inquiéter, ils sont plus ou moins de cette taille-ci. Jusqu'avant, à mon avis, le trou était un peu trop petit et qu'ils ont tout simplement remis un plus gros. Un peu trop gros, ils ont remis un plus gros. Ensuite, vous avez aussi deux rivets qui se situent à ce niveau aussi, qui soutiennent également la petite aile. Hein. Donc, n'oubliez pas, il y a un petit joint, là, vous pouvez passer au cutter sans problème. Et aussi, vous avez des vis. Mais attention, ça dépend de vos voitures, si elles sont plus pourri ou moins pourri. Vous en avez une qui se situe juste là. Je sais pas, mais ici, elle a été recouverte d'un goudron pour protéger ou je sais pas quoi. Il y en a une juste là et une qui se situe un peu plus loin, juste là au fond. Hop, c'est au milieu de l'écran. Voilà. Donc, une fois que vous avez enlevé tout ça, bah, vous coupez tout le joint qui se met le long et vous tirez votre aile hors. Petit pot d'échappement est enlevé, il est juste sur le côté, ça paraît un peu plus grand vu d'ici que quand on le voit là-dessus. Maintenant ce qu'on va faire, on va s'attaquer aux phares arrière qui sont juste derrière, c'est rien de plus con. En fait, j'avais pas vu, mais il faut les enlever avant quand même. Hein. Alors, je vais vous mettre la petite lumière. Attention, voilà. Donc là, c'est des petites vis, hop, ça a l'air d'être... Ouais, mauvais signe ça. Tant pis. Hop. Et là, elles ont l'air toutes les deux plus ou moins en bon état. On va mettre beaucoup de dégrippants et je vais mettre un petit bout de caoutchouc ou quoi pour aller essayer d'enlever celle qui est amochée. Hein. J'ai enlevé l'aile, tout simplement. Hop. Ici, c'était bêtement des cosses à défaire. Voilà. Hop. J'ai découvert qu'on avait un peu de rouille ici. Enfin, même un peu beaucoup. Faudra voir, nettoyer, si c'est grave ou pas. Par contre, mauvaise nouvelle. De l'autre côté, et attention, voilà, j'ai enlevé toute la fibre de verre qu'ils avaient mis avant, et voilà, résultat est pas oufissime, j'espère que la carrosserie n'aura pas trop pris cher malgré cela, il faudra que je regarde par rapport à là, enfin voilà. Je vais nettoyer ici, je vais aller avec l'air comprimé, je vais aller chercher l'air comprimé, nettoyer un maximum, enlever tout ce qui est mort de chez mort. Vous voyez ici, hein, j'ai peur que ça soit ancré encore beaucoup plus que ça. Parce que ça aille carrément jusqu'au châssis, c'est ça la plus grosse crainte. Ouais, sinon, c'est que la carrosserie, hein, donc ça, à la limite là, je remets bêtement. Je soude une plaque droite ici, une autre plaque droite là, et on est bon quoi. Je vais nettoyer tout ça, je vais regarder à d'autres endroits si elle est pas plus pourrie que ça. C'est du travail qui se rajoute notre petite liste avant qu'on ait une voiture de rallye complètement fonctionnelle. J'ai aussi acheté un petit kit, mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo. Pour le carbu, et j'ai trouvé un cache-culbuteur. C'est un club à Marseille, voilà, qui m'a envoyé toutes ces pièces-là, et ils m'ont donné la culasse, enfin
Cache Culbuteur qui normalement coûte 80 balles quoi. Un grand merci à eux. Et je vais vous montrer une petite astuce parce que j'ai eu la bonne blague de vouloir démonter le protège carter avant et comme un con j'ai dévissé les 4 premières vis et la boîte est tombée avec. Ici les 4 vis, vous voyez les 4 trous, ici j'ai remis les vis derrière, mais en gros ne pas oublier de soutenir en fait la boîte avec une cale ou quoi. Enfin moi je l'ai défait, elle est tombée, enfin pas tombée par terre mais elle est tombée. J'ai été remettre deux cales entre la plaque et la boîte et j'ai repoussé avec un cric en fait pour remonter et mettre les 4 vis. Maintenant je sais pas comment défaire sans que la boîte tombe en fait. Donc voilà, ma petite technique a marché. Ici le protège carter, ben, on va le changer tout simplement parce que qu'on ait une grosse caillasse ou quoi qui tombe dedans, ben, c'est assez fin. Je vais regarder un peu pour une tôle un peu plus grosse. Et voilà, on va démonter aussi tout ce qui est garde attache de garde-boue, enfin garde-boue pare-choc plutôt. Et aussi, hop, on va changer le petit radiateur, ça c'est impératif. On va déjà le vider. Oups, et je regarderai pour mettre un plus gros style de Corsa ou quoi. Hello les petits gars, oups, on n'est pas dans un jour de restauration aujourd'hui, mais j'ai tout simplement été acheter les 4 ailes, ah, donc les deux avant et les deux arrière, plus une fixation pour l'aile avant gauche. Et voilà, on va bien s'en sortir, j'espère, dans cette petite restauration. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour la carrosserie, reste plus qu'à aller découper les 2-3 éléments. Des portes arrière, des fixations de portes arrière plutôt, et aller les ressouder sur la caisse, sur notre caisse d'origine. On a fait plein de trucs, on a enlevé tout ce qui est durite de radiateur et tout ça. Ici on a le thermostat, on va le changer, on va mettre un qui s'ouvre plus vite. Ici c'est notre série, nous on va mettre un qui s'ouvre à 83 degrés pour qu'il refroidisse bien dans le désert ce moteur. Prochaine étape c'est enlever le moteur, donc on a encore quelques périphériques tels que l'essence, les freins et tout ça à enlever pour être au maximum. On va enlever le moteur, on va le démonter. Comme vous pouvez voir, la petite pompe à eau là, elle a besoin de d'une petite aide. On va changer, comme je vous l'ai dit avant, le roulement tendeur. Hop, parce que la courroie elle glisse un peu. Enfin, je vais quand même les changer. Ici, tous les petits, ces petits filtres à essence, on va changer aussi. Et ici je suis en train de gratter pour ce que j'ai acheté ici pour remettre à la place de celui-ci qui est tout rouillé. Hop, comme vous pouvez le voir, il est dans un sale état. Hop, j'ai acheté un. Il faudra un peu l'adapter, mais en somme ça va bien dedans. Voilà, vous voyez, il y a une Street Plus, ça vient d'une R6 en fait, celui-ci ici. C'est un modèle qui est adapté à la R6 mais qui va aussi sur les 4L. Donc on va couper. Hop, au niveau ici, et on va tout le ressouder. Ici, je vais pas refaire un bord comme celui-ci, je vais couper une plaque de métal. Oops. Je vais faire les trous pour mettre les petites attaches, et on sera bon. Ici, la joue d'air à côté, il n'y a rien à faire. Oops, juste enlever, remettre peut-être des petits points de soudure où il y avait les rivets, remettre des nouveaux clips, et elle sera bonne à mon avis. Oops, peut-être ici, allez, couper et remettre une petite plaque ou bêtement surfacer avec du mastic, enfin je verrai bien. On a aussi enlevé tout le, oui c'est un peu le bordel de voiture, attendez je vais vous mettre le flash. Voilà, tout le tableau de bord a été enlevé, il nous reste le moteur d'essuie-glace. Ici on a le volant, on a enlevé tout le moteur, donc ici on a un grand vide. On va pouvoir inspecter, comme j'avais dit le jour de l'achat, ceci, voir ce que c'est, cette petite crasse là, de goudronnage ou je sais pas quoi. On a aussi retiré le train, plus ou moins le train avant, enfin ce qui venait avec le moteur tout simplement. Le moteur, on l'a déposé sur une petite palette, on l'a déjà désaccouplé de la boîte, donc la boîte elle est juste ici. Oups. Ici, moi aujourd'hui je ne vais pas m'attaquer au train rouleau arrière, je vais m'attaquer à l'aile arrière tout simplement, qui se situe ben, ici en fait. On a les 3 vis qui sont rondes quasiment. À mon avis elle a déjà essayé de démonter une fois avant nous, mais sans succès, et du coup je sais pas ce que je vais faire. J'ai sûrement essayé de dévisser par le dessus ou quoi, enfin je verrai bien, puis après revenir par le dessous.
Donc aussi, j'ai remis le volant de la 4L, le temps que celui de la R5, je m'en occupe. Ah oui, je vais vous montrer celui de la R5, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Donc j'ai acheté un petit volant d'R5 GT Turbo pour la 4L. Hop, il a tous ses accessoires. En plus, c'est les mêmes cannelures, donc on n'a même pas besoin de changer ça. Il faut juste que je sable la pièce qui est ici. Hop, la repeindre en noir à bon coup. Et la rattraper avec une bombe noire et les petits éclats et on sera bon. Donc évidemment, on a mis la petite voiture sur chandelle pour éviter que le travant se retrouve par terre. Donc voilà, on a enlevé, comme la dernière fois je vous avais vu, on a enlevé ceci. On a un petit souci, enfin un petit grand souci. De un, ici j'ai remarqué que c'était pas de la tôle, mais de la fibre de verre que les anciens propriétaires avaient mis. Et j'ai commencé à gratter, bah voilà, il y a des dégâts. On va pas se leurrer, il y a des dégâts. Ici, ce côté-ci est plus attaqué que l'autre côté, heureusement. Et on a aussi ici, mais il est moins attaqué que l'autre côté, c'est voilà, le côté ici. Hop, vous pouvez voir qu'il a été mastiqué avec de la pâte, je sais même pas ce que c'est. Enfin bon, on va regarder ça. Je vais essayer d'enlever tout ça au décapeur thermique et essayer d'enlever la fibre de verre pour voir vraiment tous les dégâts où on en est. J'ai enlevé le maître cylindre. Voilà, en fait, il se vissait bêtement avec deux vis sur ce petit support. Il y a en fait ici vous devez connecter déconnecter à la pédale un petit une petite tige là, comme ça. Comme c'est une petite tige qui vient pousser dedans. Hop, donc le maître cylindre est là. J'ai un peu nettoyé à vite faire l'essence histoire de le stocker et je vais mettre toutes les pièces dans un petit sachet. Et puis on s'attaquera à démonter cette petite aile. J'ai enlevé l'aile, donc il n'y a plus rien du tout. On va pouvoir comme ça travailler tranquillement ici pour enlever toute la crasse qu'il y a le long. Genre ceci quoi, cette merde-là. Hop, et on va pouvoir aussi surtout avancer sur cette aile-ci, car c'est beaucoup plus pratique quand même de travailler debout ou assis sur une chaise pour gratter tout ça. C'est déjà la fin de cet épisode. Tout simplement, si t'as aimé cet épisode, fais-le moi en mettant un petit like, abonne-toi pour continuer à suivre simplement l'aventure, parce qu'on va pas s'arrêter là, bien sûr. Ensuite, tu peux me suivre sur Instagram, j'ai une petite story dédiée à la 4L, bien évidemment. Partage la chaîne, et moi je te dis ciao, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, j'ai envie de dire.